Dans cette vidéo, nous allons voir de quelle manière installer une extension WordPress. Donc, nous allons voir trois manières de faire. La première, c'est tout simplement depuis l'administration de WordPress. Vous allez rechercher et cliquer sur les boutons qui permettent d'installer puis d'activer une extension. La deuxième manière, c'est de télécharger le plugin et de l'importer ensuite directement aussi depuis l'admin de WordPress. Et la troisième manière, c'est de télécharger ce plugin et de l'importer par le FTP, par FileZilla. Commençons tout de suite donc avec la première méthode. Pour installer une extension depuis votre admin, vous allez tout simplement ici dans l'onglet extension et vous cliquez sur ajouter. Bouton que vous pouvez aussi trouver ici. Vous allez voir ici qu'on trouve des extensions qui sont mises en avant par WordPress. Et qu'on a un petit formulaire de recherche ici. Je vais pour cet exemple installer une extension dédiée au référencement qui s'appelle Yoast SEO. Et je vais taper juste SEO et voir quelles sont les suggestions données par WordPress. Vous pouvez voir qu'on trouve Yoast SEO, donc qui est l'extension que je recherche, parmi d'autres extensions, toujours avec des liens vers les pages. Donc si vous cliquez ici sur plus de détails par exemple, cela va ouvrir dans une fenêtre en pop-up la page qui est dédiée à ce plugin sur wordpress.org. Donc vous pourrez avoir plus d'informations sur le plugin et puis même des feedbacks utilisateurs, etc. de cette manière. Maintenant, pour installer le plugin en question, je clique tout simplement sur le bouton installer. WordPress va réaliser l'installation et je n'aurai plus ensuite qu'à cliquer sur activer. Voilà, vous voyez, ça a été installé et voilà, il ne me reste plus qu'à cliquer sur ce bouton pour activer l'extension. Voilà, vous pouvez voir que l'extension Yoast SEO a bien été installée. Maintenant, nous allons voir une deuxième manière de procéder. Disons que vous recherchiez WordPress Booking plugin. Voilà, vous faites une recherche. Et on trouve ici WooCommerce Bookings, qui est une très bonne solution. Et on trouve aussi ici un plugin gratuit. On va prendre celui-ci pour l'exemple. Donc, que vous soyez sur wordpress.org ou sur un autre site, c'est toujours la même chose. Vous allez pouvoir télécharger une archive, un fichier zip que vous allez pouvoir importer depuis WordPress. Donc, nous allons télécharger le Booking Calendar. On enregistre l'archive. Voilà, elle est téléchargée. Maintenant, je me rends dans les extensions de mon site et je reclique sur le bouton Ajouter. Sauf que ici, à la différence de ce qu'on a fait juste avant, c'est que nous allons cliquer sur « Téléverser une extension ». Et nous allons pouvoir parcourir l'ordinateur et trouver le dossier téléchargement avec le fichier en question « booking.zip ». Une fois que je l'ai sélectionné, je clique tout simplement sur « Ouvrir » et enfin ici sur « Installer ». Donc, laissez bien l'installation se faire jusqu'au moment où la page arrête de charger. Car vous l'avez vu ici, par exemple, il y avait un fichier de traduction qui a été mis à jour une fois que le bouton activer l'extension était déjà apparent. Donc, faites attention si c'est toujours en train de charger, si votre navigateur est toujours en train de charger, laissez-le finir. Dans tous les cas, ici, on va cliquer maintenant sur activer l'extension. Et voici l'extension qui a bien été activée. Voyons maintenant la troisième manière d'installer une extension WordPress. Donc cette dernière manière, elle va consister à télécharger le plugin sous forme d'archive zip, puis à uploader les fichiers dézippés via le FTP. Faisons ça ensemble tout de suite avec juste un exemple de plugin que nous trouvons ici. Classic Editor, Prenons celui-ci, le Classic Editor, qui est donc celui qui était utilisé avant Gutenberg et que pas mal de monde préfère à Gutenberg. Bon, je clique ici sur Download pour le télécharger.
C'est un fichier très léger en plus, donc c'est très bien pour notre exemple. Voilà, il se trouve dans mon fichier maintenant de téléchargement. Je vais lancer FileZilla. Voici FileZilla qui est déjà ouvert. Alors, ici je vais actualiser parce qu'on ne voit pas encore, voilà, le classique editor. Donc ça c'est mon fichier zip. C'est le contenu de ce fichier que je vais devoir envoyer vers wp-content et plugins. Voilà, c'est à cet endroit-là que vous allez uploader les fichiers de votre plugin. Donc, il va d'abord falloir le dézipper, ce plugin. Voilà qui est fait. Je vais actualiser ici, voilà. Donc, maintenant que nous avons le fichier dézippé, je vais cliquer sur « Envoyer » hein, et cela va envoyer tous les fichiers vers mon site dans ce dossier plugins. Je vais maintenant me connecter à mon site qui est celui de la formation. Et dans les extensions, nous allons trouver, eh bien voilà, ce plugin qui n'est pas encore activé. Et nous allons cliquer sur le lien pour le rendre actif. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous êtes intéressé par la construction d'un site web avec WordPress, je vous invite à visiter mon blog et la formation que j'offre sur formationwordpress.org. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.